Ludo, aujourd'hui on est parti pour un cache-cache à Poucave dans la zone 51. Regarde, la zone 51 est juste là, il y a des tourelles juste aussi et il y a des ovnis au-dessus de nous. Mais 14 abonnés exactement se sont cachés dans cette base. Notre but, aller les trouver. Attention, ils ont la possibilité de Poucave d'autres personnes. Et du coup, si Poucave quelqu'un d'autre, ils ont la vie sauve. Est-ce que Ludo t'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Ludo, toi et moi, aujourd'hui on est ensemble pour un cache-cache et j'espère bien sûr que ça va bien se passer. Exactement, gros, gros, il y a une porte qui s'est ouverte là. Oh non, il y a une porte qui est déjà ouverte. Attends, mais comment ça se fait? Attends, attends, il est où? Mec, oh, il est passé par là, mec, il est passé par là. Oh, mais il est là. Mais il veut quoi? Mais c'est quoi ça? Mais attends, il s'est même pas caché, mais il est sérieux. Mais il est trop nul. J'ai oublié de dire aussi que le gagnant de ce cache-cache Poucave sera tout simplement gagner son skin de son choix dans la boutique Fortnite. Mais lui, il a pas compris. Par contre, ne me met pas des coups de pioche. Si on lui laisse une chance, mais on lui laisse une chance, gros, le pauvre. Comment ça, on lui laisse une chance, mec? Pas du tout. Alors, Edwin, comment ça se fait que t'as pas trouvé de cachette là? J'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps? Est-ce que tu veux Poucave quelqu'un ou pas? Oui. Ah, il veut Poucave quelqu'un. Vas-y, je te suis, mec. T'as 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mec, bien vu. Mais oh, bien joué. Et malheureusement, quand tu poucaves quelqu'un, la poucavée ne peut pas poucave quelqu'un d'autre. Donc on l'a tué directement. Bien joué, Edwin, tu peux partir te cacher. Regarde, Ludo, il y a un UFO juste ici. Oh, une soucoupe volante de oh, fou, mec. Il y a une soucoupe volante, mais gros, c'est quoi ça? Mec, c'est une soucoupe volante d'extinte. Mec, regarde. Oh, regarde. On vient directement trouver. Eh, hey, stop là, toi, arrête-toi. Ah, tu m'as trouvé, Jean-Fils. Mec, DHM, mais comment ça se fait que tu te caches sur une soucoupe volante? Franchement, c'est pas une très bonne cachette, mec. Est-ce que tu veux poucave quelqu'un? Oui, suivez-moi, les gars. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tu m'as trahi. Attends. Oh, Naughty. Non, il y a Naughty. DHM qui poucave Naughty. Par contre, je peux pas tuer Naughty. Ludo, est-ce que tu peux tuer Naughty? Attends, Naughty, viens me voir 2 minutes. Oh, attends. Tue Naughty, mec. Bien joué. Naughty, franchement, t'étais trop mal caché. Et toi, DHM, tu peux partir te recacher parce que tu as réussi à faire le poucave de la mortadelle. Ludo, c'est quoi de la mortadelle? Mec, de la mortadelle, ça mange entre une soucoupe volante et de la poire. De la poire? Mais mec, j'en mange à tous les petits déjeuners et franchement, c'est vraiment trop bon. Mets un pouce bleu si toi aussi t'aimes bien la mortadelle. Ludo, combien de pouces bleus en dessous de la vidéo? 11 pouces bleus. Oh, c'est difficile, ça va être difficile. Mais en tout cas, j'espère qu'on va réussir. Ludo, vas-y, c'est parti. On va rechercher après d'autres personnes. Il y a beaucoup de cachettes, j'imagine, dans cette zone 51. Regarde par exemple ici. Regarde derrière ici, oh, peut-être. Oh, oh, non, c'est bon, il y a personne ici. Mais moi, j'ai peur ici, gros, je te jure. J'aime pas la zone 51, gros. T'aimes pas la zone 51? Ou mais plutôt... non, j'ai trop peur, il y a des extraterrestres en plus ici. T'as peur des extraterrestres? Moi, franchement, je l'aime bien, des extraterrestres. Je les bichonne petit à petit, tu vois. J'aime bien avoir un petit extraterrestre de compagnie. Ah, c'est ouais, vraiment trop mignon. Trouvons une cachette. Oh, attends, ici peut-être. Oh, regarde, il y avait une cachette juste là, mec. Oh, dommage. Ouais, il y avait une cachette, gros. Là, on est dans la salle d'accueil. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un s'échapper par là, mec. Regarde, on va partir. Ah, ouais, j'avoue, viens, on va par là. Oh, c'est un ascenseur, mec. Un ascenseur qui nous permet d'avoir. Regarde, par exemple, ici. Oh, on est parti dans la pièce de développement. Oh, waouh. Mais c'est tellement bien, gros. C'est vraiment un cube biochimique, ça. D'office, il y a quelqu'un qui s'y cache quelque part ici proche. Oh, regarde, là, par exemple, il y a un trou. Non, non. Là, derrière. Oh, oh, mec. Mais c'est une cachette de folichon, je fais les chenaches et je parle pas de nichon, mec. Attends, vas-y, y'a personne. Je parle pas de nichon, on est d'accord. Oh, si! Viens voir ici! Oh, oh, bien vu! Non! Oh, vas-y, je suis tombé. Non, attends. Mec, tu t'es fait trouver, ça te fait quoi de se faire trouver? Bah, c'est complètement nul, quoi. Je suis trouvé deuxième. En plus, ta cachette, elle était bien. En plus, je savais même pas que vous pouvez monter. Ah, ben si on a des grappins, c'est mec. Est-ce que tu souhaites poucave quelqu'un ou pas, mec? Ouais, je vais poucave. Eh, 10, 9. Oui. Ah, c'est maintenant. Ah oui, mec, vite. Ah, il est fou. Oh non, je suis tombé. Il y a quelqu'un là. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attends, il se passe quoi, mec? Il y a un mec là. Attends. Là. Il est où? Mais il parle de quoi? Il est là, là, derrière le truc, là. Non, par contre, ça va pas là. Eh, le compte à rebours, il est fini. Moi, je suis désolé, j'ai compté jusqu'à 10. Je ne vois personne. Bah, si, là, regarde. Moi, je vois personne, hein, moi, personnellement. Là, monte là, tu vas le voir, il est dedans. Attends, il est dans le truc. Y a un mec, vraiment? Mais non. Oui? Mais mec, il y avait vraiment un mec! Je te croyais pas, mais au final, t'as bel et bien trouvé un mec en 10 secondes. Et malheureusement, on a juste ici quelqu'un qui s'est fait trouver. Vas-y, c'est bon, tu peux partir te recacher. Oh, par contre, elle avait le chiffre 69 dans le dos, c'est bizarre. Bon, bah, désolé à toi, Ludy. Oh, bah attends, mais c'est ta cousine? Mais gros, mais oui, c'est ma cousine, regarde. Mais franchement, t'abuses. S'il te plaît, lui fais pas trop de mal. Tu l'as en une balle comme ça, on en finit. Voilà, mec, j'ai tué ta cousine, Ludy. Bon, maintenant, il faut qu'on arrive à trouver d'autres personnes là. Parce que pour le moment, on a tué que 3 personnes seulement.
comment on va faire pour tuer tout le monde? Ah, je sais pas, mais de toute façon, viens, on va chercher, on va examiner les nouvelles salles, gros. Attends, ici, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Ah, non, y a personne ici qui se cache à l'intérieur. Oh, y a une nouvelle salle qu'on a jamais vue ici. Oh, y a deux filles. Oh, attends, on peut aller à travers. Mec! Mec! Mec, t'es passé à côté de quelqu'un, mec! La vérité! Regarde, regarde, regarde! Mais non! Mais non! Oh non, non, mais c'est Saikyo, Saikyo, sors de là! Oh, gros, derrière toi, là! Mais c'est sérieux? Oh mais non mais il est sérieux, il est parti se cacher. On l'a pas vu. Saikyo, est-ce que tu souhaites Poucave quelqu'un, histoire d'avoir la vie mais sauve? Mais totalement. Oh ben vas-y, totalement. Tu as 10 secondes exactement. 10, 9, 8, 7, oh j'arrive pas à avancer. 6, 5, 4, 3, je l'ai perdu mec. 2, viens, suis-moi. Il est où gros? Mais je l'ai perdu. 1, attention Saikyo, stop. Il est où? What? Oh ça perd les popettes. Ça les porpette. Ah y'a personne dans ta cachette mec. Désolé Saikyo, mais tu vas devoir décéder aujourd'hui. Au revoir, merci pour la participation. Il est vraiment trop nul Saikyo. Les deux, je vais te poser une question parce que j'en profite que je sois dans la zone 51. C'est quoi la partie préférée que tu préfères chez un alien mec? Mais c'est quand ils mettent un pouce bleu mec. Mais oui, il faut savoir que les aliens ils mettent tout le temps des pouces bleus et ils sont toujours abonnés à ma chaîne YouTube. Donc si tu veux faire partie de la team alien, tu peux mettre un like et tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça serait franchement très sympathique de ta part. Ludo, il faut vite qu'on trouve une autre personne. Tout à l'heure, t'as vu qu'on avait trouvé Saikyo, il y a quelqu'un qui s'était échappé. Attends, j'ai trouvé quelque chose là. Oh non, y'a personne ici, dommage. Mais oui gros, il était parti encore. Attends, viens, moi je suis sûr, il est reparti par là gros. Il est parti quelque part, mec, la zone 51 elle est vraiment énorme mec en fait. Viens au-dessus, y'a encore un étage au-dessus, viens on va examiner le dessus gros. Vas-y, on va examiner le dessus, par contre c'est pas moi le gros, c'est toi le gros. Je suis dans cette pièce, on a trouvé Saikyo, y'a Dofus, y'a quelqu'un d'autre mec. Merde, c'est ici qu'on a trouvé Saikyo, du coup attends, il faut... Mec. Quoi? Viens ici, y'a quelqu'un qui a pénétré le trou de challenge juste là. Oh non. Mais non, attends, monte. Trop nul, viens ici toi. Vas-y, sors de là, personne qui a pénétré le trou. Alors c'est Atonation. Ça fait quoi de se faire trouver, Atonation? Eh ben, je m'attendais pas à ce que vous me trouviez. J'ai pris 10 minutes personnellement à le trouver. 10 minutes pour trouver ta cachette, mais mec, t'as cru qu'on allait pas regarder dans les trous? On est professionnels, moi et Ludo. Allez, est-ce que tu veux Poucave quelqu'un? Ouais, j'en ai vu un. Oh, t'en as vu un. 3, 2, 1, 10 secondes pour le chercher. 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, attention, c'est bientôt fini. 2, oh, 1, là. Oh, mais non, il a réussi à Poucave quelqu'un. Il veut s'échapper lui, il est fou lui. Mais bien joué, attention, tu peux partir te cacher. Et lui, il est mort, décédé, parce qu'il s'est fait Poucave. En plus, t'as remarqué, c'est le mec qui s'était enfoui, mec, de la pièce mais du tout à l'heure. Mais oui, c'est la deuxième fois, gros, il est trop malin celui-là. Mais il est mort. Oh, mais c'est Edwin, on l'avait déjà trouvé tout début, c'était le premier. Bon, malheureusement pour toi, merci pour la participation, mais c'est pas toi qui va gagner le skin gratuit aujourd'hui. Y'a quoi derrière là? Je sais pas, mais gros, ça m'a l'air. Oh mec. Mais gros, attention, fais gaffe. Oh, un trou. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Mec, le trou il me fait peur. Je vais dedans. Y'a quoi, mec? Y'a rien du tout. Y'a rien? Mec, on est bloqué. On est dans une cage, on est dans une prison, mec. Oh non. Effectivement, Ludo, y'avait personne dans ce tunnel. C'est bien bizarre parce que c'était une très bonne cachette en plus de ça, mec. Mais ouais, allez, viens, on va chercher. Mec, en fait, imagine, ils sont au début là. Rappelle-toi, viens avec moi. Ah ouais, pas mais bête. Mais oui, gros, au début. Ah, mais c'est oui, pas bête. Ça, c'est vrai que dans des cache-cache, il y a souvent des gens qui se cachent au tout début, en mode derrière nous. Eh bien, retourne au début, gros. Moi, je suis sûr, il doit y avoir des gens. C'est ici qu'on a commencé la vidéo. Regarde, il y a un hélicoptère qui s'est fait écraser par les tourelles, mec. Oh là. Mais est-ce que quelqu'un s'est caché? Mec, viens voir, mec, j'ai trouvé quelqu'un. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais c'est qui? Ecstasy Zero Cool. Mais non. Ça fait quoi de se faire trouver, Ecstasy Zero Cool, mec? Oh, moi? Oh quoi? Je suis possible. What? Oh, mais il savait même pas. Il savait même pas, il y avait une cachette de folie ici. Non, je savais pas. Oh, énorme. Oh là là. T'as peut-être trouvé une cachette de folie folichonnage juste ici, mais est-ce que tu souhaites Poucave quelqu'un là? Bah, il m'a semblé voir quelqu'un à côté. On va essayer. Allez, vas-y, t'as 10 secondes pour aller la chercher, la personne. Vas-y. Si j'arrive à quand même remonter le pauvre. imagine, c'est pas remonté. Attends, viens. 10, 9. 8, j'ai vu quelqu'un là tout à l'heure. 7, 6, 5, 4. Ah bah non, il est parti. 3. Non, y'a personne. Non, la personne est partie. Non. Ta sentence sera donc irrévocable à partir de maintenant parce que tu n'as pas réussi à Poucave quelqu'un.
Au revoir, au revoir, au revoir et adieu. Ludo, par contre, regarde les succubes volantes qui sont juste là, mec, elles sont vraiment incroyables, elles me font peur. Oh, moi aussi, j'ai trop peur de ça, gros. Imagine, il y a un alien, il vient nous manger, on fait comment maintenant? Mec, je sais pas comment on va faire. En vrai, t'as eu bien raison, hein, de venir voir ici, on a trouvé une seule personne. Par contre, t'as vu la cachette qu'il y avait en dessous de l'hélicoptère? Mais oui, il avait même pas vu la cachette. Il avait même pas vu la cachette, le pauvre, mais c'est un truc de folie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, personne toujours. Mec, il reste encore 6 personnes à trouver. Oh, attends, ici, il y a un conduit d'aération. Il y a un conduit d'aération et comme que tu pètes beaucoup, bah ça va te permettre de plus t'aérer juste ici, tu vois, donc... Oh, ah bah c'est déjà la fin en fait, c'était vraiment trop nul cette cachette. Attends, j'avoue. Si on avait trouvé quelqu'un là, franchement ça aurait été la pire des cachettes. Oh mec, viens. Oh, mec, j'ai trouvé quelqu'un. Mec, la vérité. Mais non, en plus c'est quelqu'un qu'on a déjà trouvé, je pense. Oh non, il était derrière la porte. C'est annotation qu'on avait déjà trouvé. Ça fait quoi de se faire retrouver une deuxième fois, mec? C'est le seum. Il a le seum. Bon, allez, t'as 10 secondes pour aller poufcaf quelqu'un si tu le souhaites, en tout cas. Allez, 10, 9. Alors cette fois-ci, j'ai personne, mais on va essayer. 8, 7, 6. À mon avis, il va galérer. 5, 4, 3, 2. 1, franchement. Il y en a un en haut, je crois. Il y en a un en haut? Ah, j'ai compté jusqu'à 0, mec. T'as eu 10 secondes pour le trouver, tu n'as pas réussi, mec. Au revoir, annotation, et merci pour ta participation. T'es trop nul en cache-cache, mec. Ludo, t'as entendu ce qu'il a dit? Il a entendu quelqu'un à l'étage. Moi, je te propose, on prenne cet escalier-là, mec. Oh, vas-y, go, moi, je prends pas l'escalier, je prends le grappin, ça va plus vite. Ah, le grappin. Attends, mec. Oh. Peut-être que quelqu'un se cache. Mec, ah, c'est la personne qu'on avait déjà trouvé, mais non, je suis mort. Perfect Smile, toi qu'on avait déjà trouvé une fois, maintenant deux fois, ça fait quoi de se refaire trouver deux fois? Bah, c'est complètement nul, quoi, je suis le malchanceux, on peut dire. T'es vraiment le malchanceux, mais attention, peut-être que tu as encore une chance si tu poucaves quelqu'un en 10 secondes. Est-ce que t'es chaud ou pas, là? Ouais, je suis chaud. Allez, 10, 9, 8. Bon, ouais, c'est impossible, quand c'est impossible. je pense que tous les mecs, soit ils ont livre, soit ils sont 6, hein. 5, 4, non, 3, non. 2, de pommes de terre. 1, c'est fini. Les pommes de terre, vas-y, bouge plus. Attends, juste une emote avant de perdre. Oh non, il pleure. Désolé, mec, je m'en fous complètement. Attends, j'en fiche, gros. Ici, on n'est pas encore venu, gros. Mais si, qu'on est déjà venu. Oh, attends, j'en... Entendu, mec, j'entends quelqu'un. Mais non, mais c'est quoi? C'est quoi cette cachette? Mais c'est DHM en plus. Fais pas genre t'es fort. Bon les gars, je peux vous poucave quelqu'un. Tu peux nous poucave quelqu'un? Oh là, DHM il est chaud, il a déjà poucave quelqu'un. Est-ce que DHM va poucave quelqu'un une deuxième fois? Vas-y, t'as 10 secondes pour poucave quelqu'un. Suivez-moi les gars, vite. Allez, vite. 10, 9, 8. Oh, je suis chaud. Allez, 7, DHM, cours. 6, il fait quoi? Il va où? 5, 4, à l'intérieur du camion au fond. 3, 2, 1, mec, DHM a raison, mec, c'est pas possible. Bien joué, DHM, tu peux partir te recacher. Et on a Sofiane Dylan qui malheureusement était caché dans ce truck. Tu n'as pas le droit de te cacher ici parce que DHM t'a poucave. Il reste 3 mecs. Oh, par contre, attends, j'ai... Oh, j'avais trouvé une cachette de folie, Ludo, juste ici, que j'avais pas aperçu auparavant, mais il y a personne. Mais en fait, je suis sûr... Du bruit, gros dos. On a... Jure? Jurez quelqu'un? J'entends du bruit par contre ici, hein. Bah oui, c'est parce que j'étais dedans. Ah bah oui, juste. Ah ouais, réfléchir un minimum, Ludo. Ah oui, désolé, mais mec, par contre, ils sont où, gros? Attends, je me demande s'il y a pas moyen de rentrer dans la soucoupe volante. Je suis sûr, il y a bien un moyen, non? Il y a une pièce ici où je suis jamais... Oh! Regarde la télé, où, regarde la télé, mec. Mec, regarde, t'as vu ça? Mort. Mais quoi? Mais c'était où ça? Mais attends, oh, mais ça, c'est le genre de cachette dingue, fieu. Oh, mais ouais, c'est vrai, y'a personne. C'est dommage parce que c'est des cachettes de folie, ça. Oh! Viens sur moi, viens! Oh, t'as trouvé quelqu'un? Mais non! Oui, viens tout en haut, gros! Tout en haut, vas-y, je suis là. Oh, ah ouais, mais là, mais franchement, mais c'est pas possible. Mec, on a trouvé enfin un abonné, c'est pas vrai. Et c'est Gaston. Gaston, comment ça va? Ça va bien et toi? Ah ben, moi ça va très bien, mais toi, pourquoi tu dis que ça va alors que je t'ai trouvé, mec? C'est comme ça, hein. Est-ce que tu veux poucave quelqu'un? Je vais essayer, ouais. Allez, t'as 10 secondes pour aller poucave quelqu'un. Et ça commence? Bah non. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh, c'est bloqué. Oh non, le pauvre. Ah ouais, j'avoue, on est bloqué là. 3, 2, 1. Oh mec, on dirait bien qu'il trouve personne.
Mec, franchement, t'es nul, t'as trouvé personne. Mais en tout cas, je te remercie quand même pour ta participation. Ludo, après ça, il ne reste plus que deux personnes. Oh mec, j'espère qu'on va tous les trouver, on va tous les tuer. Ah ouais, attention, la dernière personne trouvée tout simplement gagnera son skin de son choix dans la boutique Fortnite. Je le répète quand même. Mec, regarde. Ludo qui fait du sport, les gars. Faites une photo et envoyez ça sur Instagram parce que franchement, c'est rare de voir ce genre de choses. J'ai cru entendre quelqu'un. Mec, y'a quelqu'un. Là? Ah ouais? Oh! Mec, il y avait une cachette de fou! Oh, y a une salle au fond, gros! Viens, y a une salle au fond! Comment ça, une salle au fond? Oh oui, j'avais pas vu! Oh, mais mec, c'est une dinguerie cette map, hein. Je remercie en tout cas Relic. Y a quelqu'un? Oh! Yes! Mais non! T'as trouvé quelqu'un? Oh là là là! Quelqu'un qu'on n'avait pas encore vu! Et c'est Matt Lolo Letu, mais non! Tu t'es fait trouver, mais mon pauvre de toi! Attends, je peux juste dire un truc. Personne ne l'a dit, je pense que ça peut peut-être me faire gagner des secondes. Code créateur Jean-Fils sur Fortnite et sur Rocket League. Oh là là, les gars, il a tout compris. Et c'est pour cela donc que tu auras 15 secondes pour trouver la dernière personne qui est DHM. On a en face de nous un Lolo qui, je pense, échoue. Mais après, il a 15 secondes pour trouver DHM. Si tu trouves pas DHM, mec, ben tu meurs. Et c'est DHM qui va remporter le skin. Je pense que comme je le vois pas, DHM il va gagner. Ah, mais il faut pas perdre espoir. Peut-être que tu vas avoir la chance du débutant. 3, 2, 1. C'est parti, tu as 15 secondes pour trouver DHM. DHM, en ce moment, tu paniques ou tu es serein? Franchement, je suis très serein. Juste pour sortir de la pièce, il me faut des... Ah, par contre, c'est normal qu'il y avait un mur. DHM semble très serein. Il te reste 10 secondes, Matlolo. Allez, 9 secondes, 8 secondes, 7, 6, 5, 4. Attention, à qui donc sera le skin gratuit? 3, 2... Hein? Non! Oh non! Stop! Juste, attendez, avant de me tuer, est-ce qu'on peut voir la cachette de DHM? Bien sûr, les gars, je vous invite à venir à côté de l'hélicoptère. Non, à côté... Oh non, non, il est à l'hélicoptère, mec, vas-y, viens. Ludo, me dis pas que DHM est à l'hélicoptère, mec, je pète un câble. Non, les gars, arrêtez-vous et tournez la tête. Mec, il est où? Tu vois? Il est où, gros? Vous me voyez pas, là? DHM, t'es où? Oh non, regarde ce qu'il fait, il fait de la muscu, gros! Ouh! Mais je vois pas, mec! Ici, là, sur moi! Quoi? Il était là mais tout le temps possible. Mais non, mais arrête, hein, genre comment il a fait, on l'a pas vu, mec, non, c'est pas vrai. En plus, tout à l'heure, Jean-Fils, t'es rentré juste en dessous, j'ai eu trop peur. Mais non, mais en vrai, ton skin, il est bien camouflé, mais en tout cas, merci à toi, Matt Lolo, mais tu vas décéder aujourd'hui. Et le vainqueur de ce cache-cache poucave, c'est DHM. DHM, avant que je te cale une balle dans le crâne, est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Ez, allez, il fallait pas dire ça, tu gagnes pas de skin, mec, allez, bye bye. Les gars, j'espère en tout cas, non, je rigole, j'espère en tout cas que vous allez apprécier cette vidéo en mettant le pouce bleu, clique juste ici pour voir une autre vidéo, et juste là, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et pour la part, les amis, on se dit à la prochaine, tchuss.